Hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Donc, présentation rapide de la presse à chaud Vevor. Donc, c'est une presse portable. Donc, que je viens de recevoir ce matin. Et je vous fais cette petite vidéo pour toutes les personnes qui se demandent si c'est de la bonne qualité ou pas. Parce que je vois énormément de demandes, de commentaires sur les groupes sur lesquels je suis, qui se posent la question de savoir est-ce que j'investis ou pas. Eh ben, je vais répondre à cette question aujourd'hui, du moins pour l'aspect visuel, pour l'aspect pratique, ergonomique, etc. Donc déjà, on la reçoit dans un carton qui est super bien emballé, avec toutes les protections, vous voyez, qui sont adaptées à la machine. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était le petit point positif que je voulais voir avec vous. Et donc ensuite, on a la fameuse machine. Donc moi, j'ai choisi Vevor parce que c'est une marque qui est quand même assez connue. Donc je me suis dit qu'il y avait peu de risques d'être déçu. Donc par rapport à la machine, donc vous avez la poignée qui se trouve juste là, vous avez son petit support qui est juste en dessous, et vous avez le tapis, car oui, il y a un tapis qui est fourni avec, qui est juste en dessous. Donc ensuite, par rapport à la mise en marche, eh bien, écoutez, on va faire ça ensemble. Hop, si j'arrive à appuyer sur le bouton, voilà. Donc j'ai pris aussi cette machine parce que elle avait l'air super simple d'utilisation. Donc en fait, ça se compose du bouton qui se trouve juste là. Donc là, c'est un bouton, hein. Vous voyez le bouton noir, c'est un bouton. Et vous avez la molette juste ici pour les différents réglages que vous aurez à faire, que ce soit au niveau de la chaleur ou que ce soit au niveau du temps. Donc là, je vais découvrir avec vous, mais honnêtement, ça a l'air quand même assez intuitif. Donc là, 30 degrés, 31, donc là c'est la chaleur actuelle de la machine. Ensuite, quand vous appuyez, vous avez le temps qui défile. Et ensuite, là, vous avez la température que vous allez régler en fonction de ce que vous faites. Excusez-moi, j'ai l'autofocus qui veut pas se mettre. Voilà. Donc voilà, c'est très intuitif, c'est très simple. Et comme vous pouvez le voir, la chauffe a l'air d'être quand même très rapide, donc ça c'est plutôt un bon point. En termes de qualité du matériau, bah écoutez, j'avais raison. La machine est très bon, c'est du plastique, hein, ça c'est clair. Mais au niveau, vous voyez, des finitions, on est sur un produit qui est très bien fini, la poignée est très ergonomique. Ils ont fait vraiment quelque chose de très pratique pour son utilité. Et le tapis qui est fourni avec en plus, c'est pas plus mal. Comme ça, vous n'avez pas à l'acheter. Donc, voyez, on est déjà à 103 degrés. C'est vraiment le top. Concernant le prix, alors moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Et oui, AliExpress, on en dit du bien, du mal. Ça, c'est, il y a deux écoles, mais c'est chacun voit midi à sa porte. Mais, eh ben, vous voyez, on peut être satisfait même d'un produit AliExpress. En sachant que maintenant il faut quand même des produits qui sont très qualitatifs, surtout sur ces gammes-là. En termes de prix, alors moi je l'ai payé moins de 100 euros avec le Black Friday. Je vous cache pas que je sais plus le prix exact, mais c'était quand même très 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 avantageux. C'était même une soixantaine d'euros, il me semble. Donc autant vous dire que c'est imbattable. Et en plus de ça, je l'ai reçu en moins de 5 jours. Donc honnêtement, pour l'économie que vous allez faire par rapport à des magasins physiques, je vous conseille de la commander sur AliExpress. Et en plus de ça, déjà vous êtes livré rapidement et vous avez quasiment la même chose pour un prix qui défie toute concurrence. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir des tests, n'hésitez pas. J'attends ma commande de thermocollant pour faire mes premiers t-shirts. Donc, écoutez, ce serait un plaisir de tester ça avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions, à tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être bien mes premiers t-shirts avec cette fameuse Vevor qui m'a l'air de marcher plutôt très très bien. Allez, ciao, bye bye!